Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et midi récontentement d'Anker que m'y retrouve chaque matin du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Nous sommes là pour causer un peu de l'actualité nationale, internationale, l'actualité que nous avons dans notre pays. C'est vrai que ces derniers temps, là, point trop, là, l'actualité, tout le monde est parti en congé, en vacances, donc nous donnons un peu le minimum pour ce 28 décembre. Mais remercie déjà à toutes là, que les nombreux et nombreuses, comme d'habitude, derrière le poste de télévision et aussi sur le réseau social Facebook, et une rediffusion aussi en sauvegarde là sur YouTube pour les gens qui aimeraient bien regarder les informations que nous l'a fait. On va parler de ce point-là d'information avec, comme d'habitude, chaque lundi, nous parle de sécurité routière avec les infractions qu'elle a été commises sur les routes de La Réunion. Nous parle de La Réunion, mais ailleurs, encore pire aussi, des fois. Hein. Nous réfléchissons, nous regardons bien. Alors, 31 infractions qui ont été relevées par la police entre le 24 et le 27 décembre hein, de l'année-là. Alors, que ça l'a fait sur les 31 infractions. Ça a mobilisé, comme d'habitude, un paquet la police, hein, ben, plus de 61 fonctionnaires police qui étaient là pour faire un total de 18 opérations de sécurisation voilà, pour la route. Donc, ça a relevé quand même pas mal. Un des PMI qui a été retiré, l'un des personnes qui a été pris sans PMI et aussi sous l'emprise de l'alcool. Tout ça là. Donc, chaque lundi, c'est un petit point que nous fait là-dessus. Et puis, il est un peu malheureux de voir ça parce que, bon, à chaque fois, ils perdent leur PMI et ben, certains, ils perdent leur PMI. Ils regrettent après, ils regrettent après la mort, comme on nous dit. Mais quand ils perdent le PMI, c'est le travail qui saute, beaucoup de choses. Et puis, s'ils ont les sous, les sous l'emprise de l'alcool, tout ça, ils risquent de faire un accident et tuer leurs camarades, hein, de moun dans le chemin. Et des drames que des fois, il ne peut pas réparer. Hein. Ce n'est pas que la gagne des. Il donne l'argent, l'assurance, tout ça là, qui répare. C'est des choses qui ne réparent pas, c'est assez compliqué. Et puis, il y a des gens là, point d'assurance quand ils roulent. Hein. Donc, ça, il pose un autre gros problème encore. Nous va parler aussi sur la campagne de vaccination en la France là, contre le Covid-19. Elle a été lancée dimanche de façon symbolique. Alors, c'est dimanche qu'ils ont fait ça. Alors, c'est un homme de 78 ans et un cardiologue de 65 ans l'a testé ce vaccin-là. Et comme Emmanuel Macron l'a dit, le président de la République française a dit, il faudrait tester sur les EHPAD et les vieux mouns avant pour voir que ça y fait le vaccin. En tous les cas, la campagne l'a fini commencer, il tardera pas pour La Réunion. Le temps qu'on ait préparé le bon vaccin et envoyé par l'avion. Et pour transporter ces vaccins-là, justement, on parle un petit peu de ça, elle est assez compliquée parce qu'il faut que les laboratoires comme Pfizer, Moderna, c'est un peu moins en question de transport pour la température. Mais Pfizer, c'est à peu près, il faut que le truc est à peu près à moins 80 degrés hein, Celsius. Hein, on se tire en compte. Alors, les pires que la Sibérie, là-bas, en Sibérie, des fois c'est moins 50, là c'est moins 80, moins quelques degrés vraiment en plus en dessous. Donc, Nena aussi, justement, pour ces histoires de vaccins. On a aussi les anti-vax, la mobilisée là-bas, on l'a vu dans le monde entier, du côté des États-Unis, du côté certains pays, hein, donc en Europe, mais là, a été mobilisée pour les affaires anti-vaccins. Ben, c'est vrai qu'à force de dire n'importe quoi, des fois, dans la presse ou de dire de monde que les bons, que les pas bons, que les bons, que les pas bons. Et d'après quand même pas mal de personnes qui parlent, disons-nous comme ça, que les bons gouvernements n'ont pas su bien commencer avec ce Covid-19-là, puisqu'ils ont annoncé des bonnes et des mauvaises choses en même temps. Donc, du coup, là, fait peur de monde. Et voilà le système qui arrive et qu'on fait peur de monde. Le problème, c'est que les gens, ils croient plus trop aux bonnes affaires. Nous va parler, nous va revenir, tiens, nous sommes là toute 2020, pour 2021, hein, l'année finie, là nous est déjà le 28 décembre, l'année, enfin l'année, donc l'année 2020, nous va 2021, mais oui, on t-check ce 2020 là, non, donc 2021, nous aurons l'occasion de reparler justement du Covid, t'as encore une autre maladie, encore y arrive, t'es là pour t'en à nous, t'es notre canard, comme nous dit.
Covid-19, toujours avec 67 nouveaux cas en 2 jours à La Réunion. La préfecture, l'agence régionale de santé, ils confirment ça. Covid-19, hein, alors c'est des cas qui ont été enregistrés ici. Nounéna, 34 cas sur 2 jours qui suivent. Il ne faut pas qu'ils augmentent trop. Parce que s'ils augmentent trop, ils risquent peut-être pas de confiner. Hein, parce que, en effet, peu de monde avec ce mot confiné, confiné. Dans le mot confiné, il y a con, hein, donc fait avec ce confinement. Confiné, pas vraiment trop possible, parce que les entreprises, ils crient l'assassin, et ben, s'ils confinent, ils risquent d'avoir de gros problèmes. Donc, ben, là, on va faire un couvre-feu, s'ils ne me trompent pas. Soyons logiques dans l'affaire, hein, mais ils pensent qu'on va faire un couvre-feu, va bien bloquer à nous comme qu'il faut, hein, donc on a trop l'argent, les enjeux. Et puis, les 780 milliards à Macron, là, prêtés dans le bon pays, hein, c'est de l'argent virtuel, midi tout le temps, hein. C'est l'argent qui n'existe pas, mais que les virtuels dans les banques. Hein. D'ailleurs, si ça va dans une banque, ça demande à de 10 000 euros ou 5 000 euros, il dit oh, attention, il faut des commandes. Au-delà de 10 000 euros, il demande qu'est-ce que ça fait que ça. Donc, vous êtes compte dans les affaires. Alors, les cas qui ont été enregistrés, nous revient là-dessus avec c'est des cas autochtones. Maintenant, il ne parle plus qu'à La Réunion, c'est des autochtones, il veut dire c'est des mouns qui habitent ici. Des mouns là, toujours habitent ici, là, 49 cas autochtones. Voilà le mot que pour certains, ils ne comprennent pas trop. Après, nous, on a 7 cas qui ont été importés. Vous allez remarquer que les cas importés, les de plus en plus, hein, 7 sur 40, sur 50, il fait quand même beaucoup, hein, beaucoup de cas qui ont été importés parce que quand on ne connaît qu'un cas, un seul personne, il peut contaminer des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes. Donc, cet cas importé, l'est important. Le mot importé, là, le mot important aussi. 11 cas est en cours d'investigation. Donc, nous va caler un petit peu là-dessus. 11 cas est en cours d'investigation, c'est-à-dire les en train de rôder, où ça, ils sortent, qui ça vraiment l'amène ça, t'es là, tout ça. Donc, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est là-bas, patati patata. Et puis les frontières, si je ne me trompe pas, les ouvertes. Hein. Donc, c'est une porte ouverte à ce coronavirus, hein, à ces virus qui sortent à l'extérieur, qui arrivent ici. Hein. Donc, si nous réfléchissons bien, il faut attendre à nous, à bientôt, là, pour, après les fêtes, à avoir des surprises de taille. Hein, parce que nous avons remarqué, m'a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes. Ben, il organise des fêtes, il fait tout notre bon système, je ne l'ai pas avec ça. Et d'ailleurs, si vous m'avez vu dans le journal, ben, du côté de la France, là-bas, il y a des organisateurs organisés au moins 2 soirées là-bas, ben, la bloc azote, et là, on va faire payer azote un peu les affaires. Ben, on n'a pas avec ça, en fin de compte, on a beaucoup de gens, hein, donc après, il est assez compliqué. Hein. Bon, faut pas en vouloir azote non plus, puisque ben, a tellement ramasse azote, tellement tas azote, comme nous dit en créole réunionnais. Donc, il fait que, ben, voilà, donc vous êtes même, ils ne comprennent plus trop. Hein, donc, alors, la pollution, on nous vient sur la pollution avec de Mounidiano comme ça, c'est le malheureux qui pollue, c'est toujours le pauvre, ben, il jette son saleté à terre, etc. Mais il faut prendre le mal à la racine et dire la vérité un petit peu. Hein, qui ça y pollue vraiment sur ce terre-là, La Réunion? Nous, on est là des gros industriels, nous, on est là toutes ces importations de plastique qui sortent à l'extérieur, que les mis ici. Et ça, c'est des choses que l'Europe est en train d'essayer de travailler dessus, faire des emballages en plastique, tout ça là. Et en plus, comme il dit, l'obliger de mettre dans du plastique, parce que si je ne mets pas dans du plastique le bonnes affaires, les affaires ils gâtent. Alors, et puis les emballages en plastique, tout ça là, en papier, tout ça, il revient assez cher. Il pollue déjà la nature. Si vous savez du papier, même que les recyclés avant d'être recyclés, ces papiers-là, là, étaient des papiers, c'était des pieds de bois. Hein, donc, recyclés ou pas recyclés, le problème, c'est que polluer ou pas polluer, m'y pense que c'est plus l'État, les grands pays, tout ça là, ils devraient faire attention. Et ils devraient mettre des actions pour eux mêmes, hein, comme il dit, il faut balayer devant le porte avant de dire que c'est les autres qui s'allient. Parce que quand on voit les avions, les bateaux qui brûlent du fuel lourd, qui polluent incroyable, la personne ne dit pas rien, donc là, besoin d'azote pour venir ici. Donc après, il dit, ah, c'est les petites voitures qui polluent, tout ça là. D'ailleurs, il ne fait plus les petites voitures, hein, les grosses sociétés. Comme les grosses sociétés qui fabriquent des voitures, les autres, ils fabriquent des grosses voitures, mais pas des petites voitures. Alors, grosses voitures, ils rapportent plus l'argent et ils polluent plus. Alors, le bouc qui dit à moi les voitures qui polluent plus du tout, là, il y a un problème. Hein. Ça, c'est la tactique commerciale pour dire l'auto, il ne pollue plus. Il ne fout pas la saleté partout.
Donc, nous, là, par exemple, les SUV, les nouveaux SUV, là, déjà, l'Europe l'a déjà parlé un petit peu là-dessus, hein, sur le SUV, avec le degré de pollution. C'est des SUV, ben, Diao, hybrides. Alors, Diao hybride, normalement, il n'est pas censé de polluer. Donc, normalement, quand il roule, quand il est chargé, il ne pollue pas. Mais pour charge à lui, c'est là qu'il pose le problème de pollution. Donc, en pleine charge, cette voiture-là, il peut polluer pire qu'une Porsche ou sinon ça, un petit camion diesel, il boucane un peu. Donc, ça, il faudrait peut-être poser la question là-dessus sur la pollution. C'est vrai que bon, ben, les gens aussi, ils font un peu le macotte, ils jettent un peu partout. Donc, on a des poubelles, quand on a la poubelle. Hein. Quand nous passe, par exemple, nous allons nettoyer les espaces publics, tout ça. Ben, dans les espaces publics, nous avons remarqué, dans les aires de pique-nique surtout, la plupart du temps, les poubelles, les pas ramassées. Ça nous peut faire des photos montazotes. Et aussi, mi veut dire, les poubelles, les cassées. Les casser complètement, c'est des poubelles, les archaïques, certains, ils datent depuis Mathusalem, comme on nous dit. Donc, après, il faut mes affaires, pas trop de monde qui pollue, parce que le monde, il pollue, la saleté, il jette la saleté, tout ça, la moque, tout ça, la bière, une boire, un sac plastique, il jette ça, en fait, d'accord avec ça. Hein. Après, fait un geste, allez jeter vraiment. Mais pour venir au fin fond de la chose, la pollution, il vient du fait que là, pas rien que. L'appareil que les petits ils polluent. Hein. La plupart du temps, c'est les gros qui amènent la pollution ici pour le petit polluer. Après, il fait du travail pour les autres aussi. Hein. Donc, nous donne un peu la langue pour battre, comme nous dit. Hein. Donc, nous va passer. Et puis, ben, on n'a rien à foutre avec nous, justement, avec cette histoire. Ben, là, il est là pour causer, pour dire, t'es, mais nous fait ça, mais n'importe quoi. D'ailleurs, quand nous voyons les bacs de couleur jaune ou vert ou gris, des trucs comme ça, mais quand ils arrivent là-bas dans le centre de tri, là-bas, ils ballonnent tout le peu dans le même affaire, un peu de déchets, un peu maillé quand même. Hein. Voilà le machin. Donc, nous va passer avec, dans un entretien journal du dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors, lui, a une possibilité d'un troisième reconfinement si la situation épidémique ne change pas. Donc, si les virus augmentent, tout ça, là, tu vois bien, je ne dis pas d'un confinement. La plupart du temps, quand il dit confinement, bah après, pour faire peur un peu de monde, donc c'est les couvre-feux, tout ça là, un confinement le soir. Hein, donc, il reste pareil, même, il reste toujours un confinement. Alors, déjà 6h12 minutes, moi, je suis bien content que vous êtes là ce matin avant de partir ailleurs. On va parler de la nature et le futur. Là, maintenant, c'est des scientifiques qui utilisent les techniques des insectes, tout ça là, pour pouvoir fabriquer des prototypes, justement, pour chef Kin le bon insecte, alors, donc, je dirais. Utiliser la technologie des insectes pour fabriquer des robots. Alors, nous, on voit ça, et après, on revient après. Un petit problème comme d'habitude, donc le micro là tombé dans tous les sens là, donc on va passer avec. Ben, si tu vois que les insectes, la nature, tout ça, ils offrent à toutes ces personnes-là les nouvelles technologies, les nouvelles affaires pour d'autres nouveaux technologies. Voilà, nous va parler du Cosmo La Réunion comme chaque fois dans l'émission là. Alors, Cosmo La Réunion, c'est avant noir la saleté devant la porte, toute camarade vaudrait mieux nettoyer devant ou de porte. Hein. Ben, les vrais, c'est qui voient la saleté devant la porte les autres. La plupart du temps, c'est que dans votre case, c'est encore plus sale que cette autre camarade. Hein. C'est une affaire à méditer là-dessus. Après, nous allons parler du mot baba. Alors, baba, c'est un poupée pour ben petit marmaille, mais baba, c'est n'a plusieurs significations dans le cosmos, la Réunion, dans la langue créole réunionnaise. Baba, on peut dire aussi, ben, c'est un petit enfant, un petit baba, mon petit baba, mon petit enfant, tout ça là. Mais on peut dire aussi, c'est un poupée, très bon baba, t'es baba, tout ça, longtemps, t'es fait de bonnes affaires comme ça. Voilà pour le Cosmo La Réunion. Les affaires, les citations, comme il dit, ils changent en fonction de circonstances, en fonction comment nous ça en servali. Voilà, en gros. Ça, le mot de réunionnais baba. Et puis,
nous va parler aussi sur. Nous voulait parler un petit peu de la charcuterie industrielle avec les fêtes qui arrivent, avec pas mal de personnes qui consomment beaucoup de charcuterie. Et d'après l'Europe et d'après certaines recherches sur le plan mondial, ils disent nous que les charcuteries qu'ils utilisent, Comella, il y a beaucoup de produits chimiques dedans qui fait en sorte que je n'ai pas tu peux gagner des cancers avec. Le cancer colorectal, tout ça là, il paraît qu'il vient un peu là-dessus. Hein. Donc il faut faire très attention avec la consommation des produits industriels, tout ça. Les vrais après, on va dire moins que ouais, nous n'avons pas trop l'argent, on est obligé de consommer ça qu'ils donnent à nous, tout ça. Bon, bah, après, la question c'est, comme moi, il me dit souvent, mieux vaut manger très peu. Et acheter, je ne sais pas, moi, ça prend au lieu de prendre 2 kilos de saucisses ou 1 kilo de saucisses, il coûte 3 euros, 2,50 € dans un grand supermarché. Allez acheter, un, il coûte, allez acheter un kilo, pas un kilo, on est là, il coûte à 6 euros, 7 euros le kilo de saucisses. Charcuterie, pays, tout ça, les bienfaits. Enfin, on a un bon charcuterie seulement. Hein. Au lieu de prendre 1 kilo, si vous voulez prendre l'argent pour 1 kilo, prends 2. Hein, après, ça va mettre les affaires congelées. Donc, il faut prendre en petite quantité de la bonne qualité pour pouvoir consommer facilement sans avoir de problème par la suite. Hein. Il est vrai que bon marché coûte cher, hein, Gramoun l'a toujours dit. Donc, il faut faire attention à tout cela. Alors, nous, on a aussi Chalane que l'a passé tempête de tropicale, là, il est passé à bonne distance de la Réunion, hein, le 25 décembre et le 25 et 26 décembre, il est arrivé là-bas du côté de Madagascar. Et actuellement, il pense qu'il va traverser Madagascar de part en part, hein, du nord au sud à peu près. Là, normalement, lui est partout dans le nord-ouest de Tamatave. Nous va parler aussi de la météo. Bon, voilà, c'est la période cyclonique, hein, donc les arrivées, là, comme fin de commencer depuis un bon bout de temps, et donc les prévus pour pas mal, pour jusqu'à mai, juin, même, je dirais, la pluie, pour cyclone, cyclone, n'importe où, n'importe comment, mais là, donc, tracasse, azote, pour ça, hein, donc, septième cyclone, il y a la pluie, et j'y ai pour ça. La Réunion, le matin, pour la météo, le temps sera couvert en 120 degrés, les prévus. Saint-Denis, Saint-Philippe, la plaine des palmistes, tout ça va donner paquet, hein, sans oublier les temps salés, hein, et puis bon voilà, le temps sera à peu près pareil, hein, l'après-midi. Jette un petit coup d'œil dehors, du coup, il y a bien un soleil pour l'instant, donc on verra ça après. Mayotte, un beau temps sur Mayotte ce matin, l'après-midi, le temps est couvert avec du il est prévu de la. Et puis, le Pandalon mauricien qui connaît les connectés là-dessus. Maurice, le temps sera couvert le matin ensemble. L'après-midi, bah, oui, un temps, comment dire ça, un temps un temps que les là pour de saison. Voilà, le causé de la Réunion, l'a fini. M'y remercie à toutes d'avoir été là. N'oublie pas tout à l'heure, vers 9 h, comme ça, nous avons l'émission Causaï mange 11 h. Conseil mange ordi et nous aurons l'occasion de parler de recettes pays. Voilà, l'émission comme il dit Azot, l'a fini, me retrouve Azot demain matin. Si bon Dieu n'a pitié, comme il dit, midi Azot, tiens, beau serré, largue pas, n'y retrouve.